Eh ben, c'est pas une mince affaire cette remontée. Hein. Je le savais. Hein. Que de la gravasse comme ça, là. Mais pas tassé en vrac. Donc ça patine et paf, pied. Et heureusement, ça, ça dure que 200 ou 300 mètres. Pas de dénivelé, hein, de longueur. Et après, c'est largement mieux. On arrive au bout de la remontée. Bon, après, pour rentrer, ça sera comme d'hab, donc c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de caméra. Ce sera Valtraide, le canton, Vallon de la Valampe. Et là-haut, il y a tout sur la crête, là. Il y a une longue piste qui rejoint les batteries de Nyolong. D'habitude, c'est là que je vais après, mais comme je suis garé de l'autre côté, j'y vais pas. Voilà. Le haut de ma remontée du vallon de Elvin. On dit aussi Elvin. Bon. Et derrière, le chemin, la piste même, qui va aux batteries de Nyolong, la batterie haute de Nyolong, il me semble, le nom. Et moi, direction en Suez et l'Arena et compagnie. Voilà, je vais prendre direction en Suez et le Moulin dans Suez. Et Châteauneuf, voiture. Et pour rentrer, le Romaron, ici c'est plutôt la partie canton, le canton. Marignane au fond là-bas. Et droit devant, derrière la colline, Châteauneuf. Voilà, on arrive au-dessus de Châteauneuf. Le Tambert devant. Ouh. Ça commence à certainement se couvrir là-bas, sur Martigues. Arrêtez. Hop. C'est Marignane là-bas. Je vais voir s'il n'y a pas les biquettes dans leur enclos.